Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'une nouvelle série. Hein. J'essaie de vous en présenter comme ça au fur et à mesure des séries cultes des années 70, 80, 90. Donc là est sorti le coffret intégral de la série Starsky Hutch. Donc je vous ai mis la Ford Gran Torino ici. Malheureusement, elle a eu un petit pet. Bon, c'est pas bien grave, en fait, c'est le pare-choc avant que je dois recoller. Le pare-choc ici, voilà, qui était un peu, qui s'est décroché. Faut juste que je le remette. Mais voilà, voiture vraiment très très sympa. De toute façon, je vous avais fait une présentation complète hein, sur une vidéo des voitures cultes du cinéma. Donc vraiment très très chouette cette voiture. Hein, c'est du 1.24. Bon, je vais, hop, elle va reprendre la route. Et voici le coffret intégral. Donc là, c'est l'intégrale de la série. Hein. C'est pas uniquement une saison. C'est vraiment l'intégrale. En DVD, donc c'est pas en Blu-ray, c'est en DVD, mais bon, des séries comme ça des années 70 en DVD, ça ira très très bien. Coffret que j'ai acheté chez Cinestory, hein, qui faisait 10%. Alors ce qui est bien, sur les préco Cinestory, je vous dis ça comme ça, hein, toutes les préco, au moins 10%. Hein. Donc là, au moins, si vous voulez précommander certains produits, certains articles, vous avez 10% sur tout. Donc j'avais commandé cette série et plein d'autres choses, hein, vous verrez, ça va arriver là au fur et à mesure. J'aime bien le packaging déjà, hein, donc on voit la Ford ici juste devant, on voit les deux acteurs, donc Starsky et Hutch, donc intégrale de la série, avec même la petite signature de la Ford qui est reprise sur le côté, donc c'est vraiment très très chouette ce design je trouve. Sur la tranche, vous avez Starsky Hutch, l'intégrale de la série, donc DVD, donc il y a 20 DVD dedans, donc j'espère qu'ils sont bien intégrés. Et au dos, voilà la présentation. Donc, on a les quatre saisons, donc saison 1 à 4, avec à chaque fois 5 disques et avec le titre de chaque épisode qui est indiqué. Voilà, donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Là, on est tranquille pour un moment. Un paquet d'épisodes. Donc, ça, c'est vraiment très, très sympa. Donc, c'est vraiment série culte que je regardais. Alors, j'ai pas regardé en continuité. Hein. Je regardais comme ça des épisodes par-ci par-là quand ça passait à la TV. Je pense comme pas mal de monde. Mais voilà, ce qu'on retient surtout de cette série, comme pas mal de séries de cette époque, ce sont les génériques. Hein, le générique est vraiment excellent. Donc, je vais déballer le coffret et puis on va regarder comment tout ça est agencé à l'intérieur. Hop, ça se déballe. Coffret déballé. Alors, avec un fourreau qui laisse apparaître un jumbo, donc voilà, c'est un gros jumbo hein, comme on avait déjà eu sur les dessous de Palm Beach. Le fourreau est, alors il est pas très très rigide, bon, il reste quand même épais mais il n'est pas forcément très très rigide. Donc, je vais mettre le fourreau ici. Alors la boîte, comment c'est conçu, donc ici on a le même visuel sur la face avant, sur la tranche c'est pareil, à l'arrière c'est la même chose. Quand on ouvre, hop, on a tous les disques. Alors là, il y a un paquet de disques. Hein. Avec des sérigraphies différentes selon les saisons. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment des sérigraphies différentes par saison. Donc la saison 1, donc là, on a les roues. Par contre, forcément, on a des disques empilés. Ouais, c'était pareil, je crois, sur les dessous de Palm Beach. Donc là, il y a deux disques, un disque. Là, vous avez la saison 2, donc avec une autre sérigraphie. Saison 3, donc saison 2 encore en jaune, saison 3 ici, au moins c'est facile de les repérer, donc je ne vais pas sortir les disques. La saison 4, donc là on a l'arrière de la voiture, saison 4 avec tous les disques qui sont agencés. Hop, voilà, celui-là est parté, je l'ai remis. Voilà, donc c'est plutôt bien conçu, la seule chose c'est que voilà, vous avez les disques les uns sur les autres. Enfin, vous avez deux disques en tout cas l'un sur l'autre. Bon, après, voilà, je regarderai de toute façon la série. Je ne sais pas si je regarderai l'intégralité comme ça d'une traite, mais en tout cas, je regarderai quelques épisodes par-ci par-là. Et on n'a pas de livret, il n'y a rien d'autre, il y a juste ça, donc juste le coffret avec les disques. Hein, donc, après, voilà, c'est pratique hein, parce que vous pouvez avoir des intégrales de série, mais du coup, vous avez plusieurs coffrets et finalement, ça prend pas mal de place. Donc voilà pour l'intégralité de cette série de Starsky Hutch, l'intégralité de la série. Donc là, au moins, il y a la totale, on est tranquille. Alors ça fait un paquet d'épisodes à voir, mais voilà, je suis content de l'avoir pris quand même. Au moins, je l'ai. Pas de regret après si ça tombe en rupture. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette série. Est-ce que vous la regardiez, vous, à l'époque? Est-ce que vous la regardez encore aujourd'hui? Je pense que ça doit se regarder encore, hein.
comme des bons polars des années 70. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.